Enfin, mais je n'arriverai jamais à revoir ces vêtements. Et toujours pas d'armes. Allez, je claque le, je claque une prologue. Ah, c'est une maxième, j'ai une ceinture. Touché hâte. Je vais prendre ça comme un compliment. J'avais du critique, c'est pas grave. Défendre les quais et rassembler les troupes. La bague, moi je prends en SP2 si personne n'aide. Bah je veux la même ceinture que Solto, moi c'est mon bis. C'est possible, allez go. Oh putain, c'est pas vrai ça. Oh l'anneau, bon ça va, je prends. T'as encore eu un truc que t'avais en tube. L'anneau? Bah ouais, les bottes. Ah mince, on fait un échange. Bah je veux bien, de toute façon c'est les deux, c'est mes bis. Bah non, donc, on peut pas. C'est con hein. Ouais c'est clair. C'est vrai que c'est un peu dommage quoi, tu putain, vois. Putain la bague. Putain, t'as le loot que tu voulais et j'ai le loot que tu voulais. Bon bah, au moins je suis parti prochain avec... Boss, je veux soit les bottes, soit l'arme. Une bague pour ma spétanque. Du coup, je respé heal, là. Ouais, ou je passe heal. Non, je respé c'est où. De toute façon, en shaman, je sers pas à grand chose. Hein, là, il va un peu couper, on dirait. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On continue ou on s'arrête maintenant? Oui, on peut. On peut continuer un peu, non? On peut pousser okay. Une demi-heure, Tab 23h05 maximum ouais, pour moi. Elle est à l'école dans 11 jours, hein, il faut qu'elle se prépare. Elle est encore en vacances. C'est honteux ça. Faut que tu quoi? Tu t'as dit, Tab? Non, je peux pas, je vais. Moi, non, je suis en vacances. Donc on peut pousser un peu plus? Bah, oui, moi je suis pas en vacances. On pousse jusqu'à 3h du matin. Peut-être pas, moi je suis pas en vacances. Tu viens 3h du matin, c'est quand je vais commencer à taffer, c'est ça? Ouais. Attends, tu dois aller. Quoi, t'es boulanger? Ah oui, tu dois aller, toi? Non, mais 23h30, c'est bon. C'est bien pour toi. Même minuit, pas de problème. Ah, qu'est-ce que t'es lent? Là, tu claques une roulade, tu me doubles sur le sprint. Bah non, j'ai déjà tout claqué pour. Mais t'es con, c'est moi qui pull, donc c'est moi qui a l'aggro. Vous pouvez expliquer vite fait, parce qu'on n'a pas... Tu n'avais qu'à être là la semaine dernière, je dirais. Oui, de faire la touriste. Chico, ça. Oui, on est à New York. Ouais, bah écoute. J'en profite, hein. Bah c'est la même strat que... Ah c'est con, y'a pas yo-yo pour la smoke. Ouais, c'est ça. Ouais, y'a pas yo-yo pour la smoke. C'est juste que les CD étaient claqués différemment. Et putain, il me semblait bien qu'il manquait quelqu'un. Quoi? Bah il est là. Ah yo-yo est pas là. Mais pas seulement maintenant que je m'en rends tout à l'heure quoi. J'ai dit il sera pas là tout à l'heure. Il était pas là Redbook en tout cas. Bah clairement la strat c'est plus les heals qui doivent se caler entre eux quoi sur les bumps et surtout sur le premier en fait, mais le premier c'est vrai qu'il y avait la smoke de yo-yo qui pouvait bien aider, donc je sais pas par contre on peut remplacer la smoke quoi. La semaine dernière après... c'est qu'on claquait l'ascendance plus le... Moi je healais à fond avec mon ascendance avant le premier switch, avant le premier bump. Yo-Yo claquait sa smoke. Deuxième, juste avant, il y avait une tranquille plus le totem de lien terrestre. Et troisième, je sais pas ce côté, puis il claque en CD parce que je connais pas Pal. Je claquais un marais de soin. Ouais, je vais prendre machin là. Incarnation. Et donc en fait. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il utilisait. Avant le bump, bah, va pouvoir te dire, mais avant le bump, on vient se paquer sur le bleu, de manière à ce que les goudrons viennent se poser sur le bleu. Bon, je vais profiter que je suis en train de récapituler la strat pour vendre mon stuff. C'est du stuff heal en fait que j'utilise plus, j'avais une SP heal avant. Vu que j'utilise plus puis que je compte pas du tout l'utiliser pendant le reste de cette extension, je garde juste en fait ce que je peux utiliser pour faire de la transmogrification, donc c'est le changer l'apparence du stuff. Là on voit sur mon perso j'ai toute une armure décorative, en fait elle ressemble pas à ça normalement les pièces, mais par contre on voit que c'est transmogriffé en grand aube du guerrier sacré, etc. etc. Parce qu'on voit que j'ai quand même pas mal de pièces de stuff dans mon inventaire. Ça j'ai déjà.
Ça aussi. Les bottes. Ah, j'ai pas ce modèle là. Voilà, un peu de place dans l'inventaire, ça fait toujours du bien. DPS peut prendre une bombe, bah il prend c'est une moi, bombe. Oui. Et voilà quoi, comme je te dis, après c'est plus une cohésion avec les. Avec les heals sur les bumps, savoir qui fait quoi à quel moment. Moi je vais faire la tranquille sur le premier et la forme d'arbre sur le deuxième. Bah, Otep, tu faisais quoi en fait au troisième bump, c'est quoi, c'était quoi ton cycle? C'était la M. De toute façon, pour laisser des raids, c'est la M, quoi qu'il en soit. Après, j'ai le marteau, il y a pas mal de CD qui reviennent assez rapidement, donc... Après ça, moi je fais surtout au feeling, je me dis pas je garde tel CD, parce que si j'en ai besoin avant, j'ai pas envie de... Enfin, si... Faut pas qu'il y ait ouais, wave, quoi. Sûr. Moi j'ai un marteau pour vous aider, faut juste me dire quand claquer. Moi je claque sur le moment, ouais, je... Tiens, il sert à rien, t'as rien à taper. Sur le troisième bug, enfin, je pense, hein, Kémy. Ouais, non, mais faut juste me dire quand claquer, c'est bon. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de talent. Je vais peut-être mettre flot impétueux à la place du soutien, vu que le soutien me sera possible. Ouais. Oh, quelques pièces d'or. C'est vraiment chiant à jouer. Une ounours en tank. On y va ? Je parle tout seul. C'est ça, tu parles ton coca. Il le dit, il joue qu'avec un bouton, donc... Ouais, mais ça peut être parfois passionnant, tu sais. Genre, j'ai pas envie de jouer, tu vois. Dans ces cas-là, oui, ça peut être passionnant. Ou faire magie, hein. C'est pas encore comme si j'avais perdu la foi en WoW, tu vois, mais... Presque. Bah, tu fais un magie, et puis ça va finir. Tout seul, quoi. T'es comme Ophélie. Oui, je t'ai vu jouer hier soir. Ouais, sympa. Ouais, mais je suis obligé de recommencer un perso parce que j'ai monté mon perso sur un serveur ricain. Ah, moi je veux bien qu'on commence un perso ensemble. Parce que je t'ai pas encore fait. Pour info, en fait, donc on se tient en arc de cercle. Barty, on va rester sur WoW, s'il te plaît. En arc de cercle, hein, tout le monde. On se tient en arc de cercle. Putain, je déteste Barty. L'autre jour, Tab, elle parle et puis elle fait Ouske. Ça fait fermier, quoi. Ouske. À cause de toi. Ouais, est-ce que je dis Ouske, moi. Ou sexy. Ou sexy. Ah oui, ça peut m'arriver de dire « Ouh, sexy !» Bon, toi-même, dans ton miroir. Bah, quand sûr. Je me vois dans l'écran. Les cacs, donc tous les cacs se positionnent à droite et les distances à gauche. Tous les cacs, les voilà. SOS. Partout. Ok, je lance un... Comment on appelle ça ? Dans les sphères. Un big whiz en poule. Hotel. Masqué, ouais. En même temps, on a qu'un cac, donc. Ouais, tous les cacs sont. Deux. Ah non, oui, pardon, il y a Barra. Tous les cacs sont groupés. Ensemble. Donc tous ensemble. Les cacs, en fait, clairement, c'est, je vous mets un symbole, c'est là, quoi, à peu près, quoi. D'accord. Non mais. T'es un cac, mais t'es pas un cac. C'est qui bouffe ton porridge là? C'est Fiu, il prend des sous depuis. Et il prend du vin de prune. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Une bière à la paille, ouais. Je vous en ai deux. Bon, faut qu'on se dépêche parce que. C'est bon pour les buffs là. Allez, on y va. Go, go, go. Batterie faible, on va avoir du portable. Il manque un buff là. Lequel? Il manque la cloche ou quoi? Oh, con. L'endurance. C'est la base. Merci. Je pensais que t'avais pas l'endurance. Hein. Je sais pas, j'arrive après tout le monde. Le coup en premier. Forcément. C'est parti, j'y vais. C'est moi. Ouais, t'inquiète. Ok. Oh, j'ai mon ordi portable contre. Tout le monde est aligné, bizarrement là. De plus avoir de batterie. Hein. Donc là, la première phase du combat. On doit juste. Lui faire le maximum de dégâts. On doit éviter, il lance des scies régulièrement, il fait apparaître, il lance des missiles, donc ils font un rond par terre pour indiquer où ils vont atterrir. Raid 1,2 million, hein.
Red, fais attention au tremblement, hein. Recule un peu parce que sinon t'as pas le temps de... C'est ainsi que des sortes de tremblements de terre qui font, ben, qui font apparaître des pics par terre. Trucs, là. Je vais extrême, hein. Il y a également des mines. J'ai pris une bombe. Qui apparaissent. Là, on est toujours censé prendre les bombes, les îles et la clique là. Non, non, faut pas. Non, c'est bon. Non. Donc les bombes en fait doivent être prises absolument. Mais le joueur qui va les prendre, il va avoir beaucoup de dégâts. Il faut qu'il claque un sort pour se protéger. Voilà, là c'est vraiment la première phase. Je te reprends. Puis la deuxième phase, je la décrirai quand on y sera. Il faudra peut-être un DPS prendre une. Je peux en prendre une. Un chroma, je te passe. Voilà, faites attention aux tremblements, hein. Les tremblements ils font super mal. Hein. Sauf que j'ai pas pris de dégâts parce que j'ai utilisé mon bouclier divin, qui est un sort du paladin qui me rend intuable pendant 8 secondes. On rebelle s'il vous plaît par le chroma. Je te reprends. Alors oh putain. Bon, il n'y a pas de reste possible, on peut wipe. Non. Je me prends une bière, j'en viens. Je me suis pris la perforeuse là, juste quand j'ai pris la bombe. DPS, ça va? On a assez? Ou ça va être chaud? Ça m'a l'air pas mal. Je pense que ça a l'air pas mal. Non, non, ça le fait. Hein. T'es à 58%. Non, non, c'est bien. 58%, mais il est passé en P2. Ouais. Bah ouais, bah c'est bien. T'en fais deux phases, hein, de... De quoi? Hein? Comment? On fait deux phases, en fait, de... Comment dire, de bump. Ouais. Ah, ok. Bah non, bah ok, ça change rien, quoi, de phase de bump. Bah si on fait une phase 1 et une phase 2, c'est tout, quoi. En fait, le combat, il est en deux phases, Red, si jamais. Mais oui, mais pendant la phase de bump, il prend pas de dégâts. Non. Donc on s'en branle qu'on fasse deux phases de bump. Pour en faire 5, ce serait pareil, quoi. Ne suivez pas mon raisonnement. La dernière fois, on a fait deux phases de bump. Hein. Ouais, on en a fait deux et on l'avait tué à la troisième. Ouais. À la troisième P1, hein, c'est ça. Voilà. C'est juste ça que je voulais savoir. Ouais, moi je crois que tu voulais savoir si en FM il y a une troisième phase. Et Galagrasse qui est pas mort. Ouais, il bouge. Oh, ouais. Va dormir, vieux type. Au secours, au secours. Oh putain, je pas. Elle vieux bug. Ouais, ça marche pas, Ego. Si, si, faut le looter. Oh, ah non, arrêtez vos conneries. Arrête de jouer avec un cadavre. Non mais il pointe vers toi, quoi. Bah ouais, j'ai c'est une boussole à Q, c'est génial. Il indique le danger. C'est un détecteur à conneries. Ouais, c'est plus ça. Égal à crassomètre. T'arrêtes avec ta soupe. C'est un Coca Zéro. Ouais, bah c'est pas une raison. Ah, Q, il fait attention à sa ligne. Ah ouais. Bientôt les vacances. En plus, faut que je fasse plein de cochonneries. Tu repars de nouveau. Pire qu'un Coca normal. Non, 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 j'ai repris le boulot, là, c'est fini. Oh, c'est juste plein d'aspartame. Ouais, voilà. Je dis un objet qui me permet de... Qui permet de me transformer... temporairement en squelette. Voilà, pour un quart d'heure ou jusqu'à la mort, je peux transformer en squelette, puis c'est une fois toutes les deux heures. Ça sert vraiment à rien. Mais c'est assez bon. Il y a pas mal, enfin, il y a vraiment beaucoup d'objets à la con de ce genre. D'ailleurs, pour ça que mes sacs sont pleins. Ça, c'est des objets à la con, j'en ai d'autres que j'ai pas triés. Bon, je vais me revenir hein, avant qu'il râle. Ok, je lance.
Attends, je vais peut-être manger. Tout le monde a mangé? Ouais, ouais, tout le monde a mangé. Non, j'ai pas mangé, moi. Tu vois, heureusement, je l'ai fait. Bah... Il heureusement que... Ouais, là, il y a mon addon. Il y a mon addon, s'il te plaît. Ah oui, crit, et... il y en manque pas un, là. Grâce à Irienne. Yo, yo, vas-y depuis le début. Ok, c'est parti. La graisse aérienne. Ah, le gras, c'est la vie. Hein. Five, four, three, je ne two, mange pas one. De graines. Regarde, espèce de vieille pute dégarnie. Des jambes. Bravo, tu m'as fait foirer mon poule. Moi ? T'avais dit qu'on ferait des knackis. Ouais, est-ce que je t'ai appuyé sur mon bouton Mamba ou pas ? Ok, oh, je prends une mine. Non, je l'ai fait. Je prends une mine. Je prends la dernière, alors. Oh putain. Pensez que je prends aussi cher sur les mines. Tu claques pas tes CD. Il y a des mines et plus des perceuses, non? Bah là, non. Je sais pas comment ça s'appelle. T'as pas ton bouquet de flotte? Je te reprends. Ah, j'ai une merde, oui, sur la go. C'est quoi ça? Ah bah non, c'est la mine qui est. Faudrait qu'un DPS peut-être prenne la mine qui est du côté de Red. Hein. Il en reste une? Ouais, il en reste une. Ça serait bien que quelqu'un la prenne. Normalement, ça fait rien les mines. Hein. Ouh, j'ai fait un truc. C'est beau. Je te reprends. Bon, j'espère qu'on va au moins passer cette fois en P2, que je puisse expliquer. Ma mine. En gros, la P2, en fait, on doit juste survivre. Je prends une autre mine. Tu veux que j'en prenne une? Bon, ça va peut-être aller. Hein. La réponse était non. Tu reprends mieux. Il n'y aura pas de première tranquille. Hein. Ah bah il n'y aura pas de première de non plus. Il y a déjà eu un raise. On se positionne ouais, sur le bleu là. Tout le monde. Il y a un tank en moins et un en moins. Ouais mais pour... Et là on va sur le vert. Attention. Ouch. Bon, c'est je fais, je le termine ou je. Non, bah non, ouais, c'est mieux en guild, hein, comme ça on apprend. D'accord, ok. Non, parce qu'après, ils vont, si Blizzard voit sur la chaîne Avara, ils vont encore nerf le moine. C'est bon. Ils vont te nerf, ils vont te ban et ils vont te pré-ban pour ton prochain compte. Ouais. Si vous voulez jouer, vous devez acheter deux comptes. Bon, on fait encore. Ça commence à bien faire. Non mais Otep, la dernière fois c'était Kemi qui mourait. Il y a toujours un heal qui est maudit dans ce combat en fait, c'est comme ça. Oh non, là, c'est pas une histoire d'être maudit ou pas, hein. C'est juste que je suis nul là, faut dire ce qu'il y a. Non mais moi aussi l'autre fois, t'inquiète pas. Hein. Je faisais que de crever parce que je voulais absolument faire mon heal et je faisais pas attention à la perforeuse. Il y a aussi une grosse part de RNG dans ce combat, hein, avec toutes les AO que toi tu génères et celles des autres. Non mais c'est pour ça il faut faire un. Ouais, il y a moyen de rien faire pendant 5 secondes quoi. C'est les tremblements hein, qui font le plus mal et c'est pour ça il faut être souvent en mouvement et ne pas être trop près du cac. Pour avoir le temps de voir les tremblements arriver et... Ouais, j'essaye de pas être trop près du cac mais... Arrête d'appeler ça un tremblement et la table qui fait des têtes pas possible. Non mais je sais pas comment que ça s'appelle, bah la perforeuse. Une tremblure. Non mais il faut qu'il attaque avec ses tremblements, il a déjà vu un tremblement en terre en vrai, tu crois qu'il y a des pics qui sortent du sol comme ça? Bah ouais. Bah ouais. Dans les films de science-fiction. Les immeubles. Ouh, je sais pas pourquoi mais vos prochaines vacances vous allez partir à Tokyo.
Comment t'as deviné? Bon, est-ce que j'ai d'autres objets à la con que je peux utiliser? Ça pour me transformer en druide de feu. Tu mets ton guide sur qui? J'ai mis sur Q. Je vais changer alors. Alors ça pour se transformer en... Qu'est-ce qui m'a mis en... En abomination, un truc... Enfin... voilà. Chaque fois je suis là et je me dis... Docteur. Ouais c'est bien, les gens ils s'intègrent, ils appellent Q et tout, mais c'est juste ton nom ouais, maintenant. Bah, oui, oui, j'ai enfin choisi un pseudo clair. J'ai pas les buffs. Hein. Faut les acheter. Shaya. La graisse aérienne. Merci. Je vais prendre des bonbons. Là, je peux faire un petit commentaire. Ça peut rien avoir avec le pool d'avant. Mais j'ai vu deux, trois personnes qui, lorsqu'elles avaient... la roue là qui suivait le tremblement de terre, il partait sur le côté. En fait, quand vous l'avez, vous partez en retrait derrière pour gêner personne avec. Parce que si vous vous décalez à droite ou à gauche, vous allez avoir quelqu'un de du raid normalement qui est positionné à côté. Donc. Ok. 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 Ah bon, on a les trois. Moi, je m'en fous. Il y a Zora à côté de moi, donc je peux me permettre de le tuer. Fais gaffe, ça pourrait être réciproque. Je pourrais très bien me tuer moi aussi. Le tank est où? Vous êtes où les tanks? Tank, bah, comme d'hab, hein. Pourquoi? À l'ancienne? Pourquoi tu veux? Je bouge pas, je le garde dans l'axe. Dans l'axe, hein. Non, t'es où? Je suis là, tu vois pas le merveilleux panda. Mais c'est bon. Tu le tanks où? Là, en face, là. Sauf que je pivote sur la gauche. Merde, j'ai bougé le bleu, désolé. Ouais, le bleu, ouais, c'est ça. Là? Après, je peux laisser le face au bleu. Non, c'est bon. Bon, là, ouais. Moi, c'est juste pour éviter son tremblement. Allez, au plan, on y va. Merde, je vais pas faire 10 c'est appels. Un petit 6ème appel, peut-être. Elle a dit entre ses dents, je vous emmerde, je vais tous les kick pendant la nuit. On ira dans la grotte d'Anne. Ouais, c'est ça, rien à perdre. Bah si, on devra tous rename. T'es bien dans mon aval, là, Q? Ouais, mais je me mets sur le côté, là, quand il comme ça, quand il fait sa perforose, je me décale. Là. Mais elle était bien, là, ton aval. Ouais. Je te reste avant. C'est fait. Putain, j'ai la scie. La première. Faites attention au souffle. Je prends la deuxième. Oh là là, ouais, c'est bon. C'était limite. Ah, c'est bon. Je te le reprends. C'est une hécatombe. Je suis honoré de toute la confiance que vous avez en moi, mais je ne crois pas que je vais pouvoir cela. Je crois que c'était cheat. Oui. Juste pour le fun, laissez-moi prendre cette mine. Voilà, il y a moyen de le faire, Android. Phase 2 dans 3 secondes. Parti pour la phase 2. Merde, où est le bleu? Ok. On va sur le vert.
Je suis mort du tremblement de terre. Elle rigole pas du tout. Pourquoi je me suis pas fait bump moi? Non, je suis mort en l'air. Pourquoi je me suis fait kill de la guilde? Quoi? Pourquoi je me suis fait kill de la guilde? Je comprends pas. Ah, donc là on voit sur cette phase en fait qu'il y avait toute cette zone qui était couverte par des missiles. Il y avait des flaques qui apparaissaient, des flaques de pétrole qui apparaissent, donc qui font des dégâts, et un joueur qui est ciblé par un rayon laser. Et si le rayon laser passe dans une flaque de pétrole, ça fait des dégâts monstrueux. Donc voilà, plusieurs fois il y a l'activité sismique et on se retrouve propulsé en arrière, sauf ceux qui sont morts avant. Donc en fait pendant cette phase on reste dans la zone derrière et puis on essaye de survivre. C'est tout ce qu'on peut faire. En tout cas dans ce mode de difficulté, en mode normal, on peut retourner combattre, on se met à un endroit, c'est qu'on arrive contre un mur pour pas être trop loin. C'est la lame ça? Ouais, c'est la lame, ouais. 350k. Enfin, 0,83 secondes quoi. Ouais, ça m'a fait à peu près la même chose au tout début. Je suis mort. On fait encore un try ou on arrête là? On va peut-être stopper les frais. Ouais, on va stopper là, je pense. Hugues. Ouais, au frais, ouais. Festival de l'humour pourri. Là, il y a Lesbio qui a eu un rictus, là, parce que c'est sa blague, normalement. Et alors, il rigolait juste de la paternité de la blague. On reprend lundi? Lundi, tout le monde est là? Nous, on va à Tombouctou. Ça va pas aller. Ok. Je suis pas là lundi. Prostate à mon poney, moi. Ah bah, enfin, comme tous les lundis, je suis pas là. Alors. Apparemment, Yo-Yo aura aussi des problèmes pour venir lundi. Merci pour le raid, à lundi, les gars. Ouais, bon, allez, bah, lundi. Salut, bon, salut. Merci d'être venu, tiens, au courant pour lundi. Ouais, ça marche. Voilà, donc on va... Comme vous voyez, on va arrêter ici le raid. Donc, moi, je raid pas le lundi. J'ai d'autres choses, donc... Je reprendrai peut-être mercredi prochain, tout dépendra en fait où on en est, si on reprend. Ça pourrait être intéressant si par exemple on est sur un boss de faire un live de 1 heure par exemple. C'est que vraiment voir comment on cherche des nouvelles stratégies. Oui, pour l'instant je me rends dans un vieux donjon. Grâce à un objet à la con. Donc bah je remercie les gens qui sont venus. Qui sont restés tout le long. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc c'était sympa. C'était sympa aussi qu'il y ait un peu de discussion sur le chat. J'espère que ça vous a plu. C'était première fois que je streamais. Je vais essayer de refaire ça. Je vais essayer d'améliorer aussi les points qui... J'ai déjà vu quelques points qui me plaisent pas trop. Donc je vais essayer d'améliorer tout ça. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye et bonne nuit.